Tu choisis lequel? Tu vois, t'es un gros tricheur, vas-y, tu me saoules. Oh putain! Je vais serrer là, je vais serrer. Ouais. Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine, ça fait trop longtemps! Envie de faire des vidéos cuisine dans cette cuisine parce que normalement on doit la refaire, on voulait que ce soit parfait, mais on s'est dit non, là l'occasion est trop bonne. En fait, l'occasion est trop bonne. Pourquoi? Parce que lundi c'est l'anniversaire de Citron. Notre fille, notre première fille, elle va avoir 5 ans lundi. Est-ce que c'est pas une dinguerie, les gars? Donc le but d'aujourd'hui, on a dit qu'on allait faire un gâteau d'anniversaire pour notre fille, mais comme vous savez, nous on aime la compétition, c'est trop dur en fait. Donc on va pas faire n'importe quel gâteau. Déjà on va faire du cake design. Le cake design qui est un métier, d'accord? Il y a des gens qui sont diplômés, qui ont fait des études, qui ont fait vraiment des formations. Nous on va faire ça alors qu'on a jamais fait de notre vie. Et en plus de ça, on va faire chacun un. Et à la fin de la vidéo, Madame Citron va goûter et nous dire qui est le gagnant. Yenisa et moi, on est parti dans un magasin. On a tout fait. On est parti voir les vendeurs. On s'est séparés. Eh, toi, m'écoute pas. Moi, je suis en train de parler avec la vendeuse. Je suis en train de préparer mon truc. Je sais pas du tout ce qu'elle a acheté. Je sais pas du tout ce qu'elle a pris. Et elle sait pas du coup ce que j'ai pris. Là, aujourd'hui, je vais tout donner. Je veux me déchaîner. Je vais tout défoncer parce que là, c'est pour l'anniversaire de ma fille. Il faut que je fasse plaisir et en plus, j'ai envie de gagner. Ouais, si tu vas Yenisa aujourd'hui, la tête pour moi, c'est une dinguerie. Parce que déjà, c'est une victoire de plus. Parce que déjà, des victoires quand Yenisa en cuisine, j'en ai des. Non. Comment est-ce que lui, il a gagné contre moi en cuisine? T'as gagné une fois. C'est quoi? Je sais même plus, c'était quoi? Les macarons? C'est tout? Bon, alors, attends, je t'explique. Les macarons, je t'ai massacré. Non, les macarons, je t'ai massacré. C'est tout? Les macarons, je t'ai massacré. Les pizzas, je t'ai massacré. Les cookies, je t'ai massacré. Les tiramisu, je t'ai massacré. Je t'ai massacré sur les trois, sur toutes ces vidéos-là. Tiramisu, tu m'as pas massacré. Tiramisu? Ça va pas, toi, tu sais faire un tiramisu, toi? Mais un tiramisu de Covid. Tu passes ton temps à tricher. Tiramisu de Covid. Tu passes ton temps à tricher. Toutes les vidéos. Tu as vu ce qu'on a fait? Tu triches tout le temps. Tu mets des coups dans mes... Toi, tu me jettes du sel. Tu me jettes du sel. Toi, tu mets des coups de couteau dans mes gâteaux. Non, preuve. Là, aujourd'hui, je te jure. Preuve. Dominique, devant Dieu, t'as pas intérêt à tricher. Preuve. Je te jure, t'as pas intérêt à tricher parce que moi, je vais être sans pitié. Bon, les gars, avant de commencer cette petite vidéo, on a un partenariat à vous montrer. Parce que vous savez que moi, je suis ambassadeur Google à l'année. Je dois vous montrer des partenariats. Aujourd'hui, on va parler du nouveau téléphone de chez Google qui est sorti. C'est le Google Pixel 8. Un téléphone rempli de technologie. Donc, si tu kiffes les photos et les vidéos, c'est fait pour toi. On va te montrer tout ce que ce téléphone peut faire. Alors, avec Yenisa, tu sais très bien qu'on est parti en lune de miel, donc il faut bien avoir des souvenirs. Donc, on en profite pour se rafaler avec le téléphone. Petit coucher de soleil, piscine, la mer, il n'y a rien de mieux. Tu sais comme moi qu'une photo n'est jamais réussie du premier coup, donc c'est parti pour les modifications. Ce que je kiffe avec ce téléphone, c'est que tu n'as pas besoin de télécharger d'autres applications pour améliorer ta photo. Tout est déjà intégré dans le téléphone. Le mode portrait te permet de mettre un flou derrière toi pour rendre la photo encore plus quali. Et ce mode-là qui me fait vraiment kiffer, c'est la gomme magique qui permet d'effacer toutes les petites intrusions qu'il y a sur ta photo pour rendre ta photo parfaite. Et là, vous avez l'option meilleure prise. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment incroyable. Regardez. La meilleure fonctionnalité, c'est l'outil meilleure prise. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va sélectionner toutes les meilleures parties de chaque photo de la rafale que tu viens de prendre et ça va te faire la photo parfaite. En fait, c'est vraiment ta petite retouche, mais secrète, automatique. Et oui, les gars, la photo, elle était incroyable, mais ma tête, elle était trop moche, donc je l'ai modifiée tout simplement. Et oui, les gars, si t'as kiffé le téléphone, il est juste en barre d'infos. T'as juste à cliquer et choisir ton petit coloris. Il y a aussi le Google Pixel 8 Pro qui est incroyable. Bon, maintenant que cette page de pub est passée, nous allons vous présenter les ingrédients dont nous avons besoin pour ce cake design. T'as fait quoi? J'ai rien fait, mimi. Bah, y a toujours des cheveux dans, tu vois, tu sais, on sait ça à qui. Hein. Bah oui, bah voilà, c'est un bien. Cheveux, mon frère. Attends, mais... C'est quand même dingue. Oh! Et... Ah quoi? Tu l'as acheté, t'as acheté ça? Ouais. Oh. Casse-toi. Oh, moi j'en ai pas. J'en ai rien à foutre, je m'en fous. J'en ai pas. La règle, t'as pas le droit d'utiliser mes trucs, j'ai pas le droit d'utiliser tes trucs. Oh non, mais j'ai oublié. Chacun a fait ses courses. On est parti dans un magasin qui s'appelle Alice Delice. C'est pas un partenariat, mais la vendeuse elle était très gentille. Si vous voulez nous sponsoriser pour les prochaines vidéos de cuisine, ouais, allez-y. Très bonne vendeuse, elle nous a bien conseillé. J'ai mes ustensiles, t'as les tiens. Tu n'utilises pas les miens, j'utilise pas les tiens. C'est compris ou pas? Putain, mon coude il va fonctionner aujourd'hui. Oh là là. Ah, je suis excité. La vie de mère, je suis excité. Non, mais je suis désolé, je suis trop excité. La mère, ça va être trop bien. En fait, ça va être trop, s'il te plaît. Merci. On va présenter un par un tout ce qu'on a acheté. Alors moi, pâte à sucre blanche, parce que moi, je suis pas bête. J'ai acheté ça, un portable airbrush kit USB rechargeable. En fait, si vous voulez, on met des petits paillettes alimentaires là-dedans et avec un pistolet qui jette de l'air là, de l'air comprimé. Psh, 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 psh.
tu peux faire des tags sur le cake design. Est-ce que ça, c'est pas une dingue? Est-ce que là, on rentre pas dans le professionnel? Eh bah oui, on rentre dans le professionnel. Quelque chose que tu n'as pas pensé. Moi, je l'ai acheté, madame. Moi, je l'ai acheté. Donc après, il y a plein de déco. Il y a ça, des feux d'artifice. Il y a ça pour les emporte-pièces, pour les couper. Les gagnants parlent peu. Quoi? Vas-y, commence pas. Touche pas mes trucs. Tu n'as pas le droit d'utiliser mes trucs et je n'ai pas le droit d'utiliser tes trucs. Tu peux arrêter, s'il te plaît? C'est chiant. Tu peux arrêter, s'il te plaît? C'est chiant. Mais pourquoi t'as pris ça, toi? Pourquoi j'ai pris quoi? Et pourquoi t'as pris des trucs comme ça? Donc. Voilà. Allez, pas de personnalité. Mais pourquoi t'as pris la même chose que moi? Ah, c'est toi qui as pris la même chose que moi. Bien évidemment, on a acheté des génoises déjà prêtes parce que personnellement, on n'a plus de four. Ah oui, notre four il est en panne. Notre four il est en panne, il est déglingos. Il a vraiment une sale gueule. Il est juste ici, il est déglingos. Donc on a acheté des emporte-pièces déjà tout fait. C'est pas emporte-pièces, ça s'appelle des génoises. Des génoises, putain, on a acheté des génoises déjà toutes faites. Elles sont toutes ici. Waouh! Ah, ça se présente comme donc ça. Donc là, vraiment, notre rôle, ça va être de décorer et de mettre en forme. On a de la chance, on évite de faire la génoise. C'est pas le plus compliqué, je pense, mais c'est bien de pas avoir à le faire. Ouais, c'est chiant la génoise. Ouais. Allez, ça dégage. Là. Tu me laisses un peu de travail, s'il te plaît. Dégage. Trois chacun, c'était les. Bah, j'ai compris, mais pourquoi tu m'arraches des trucs des mains? Non, je t'arrache des trucs des mains parce que t'es bizarre. Ah ouais, par contre, hey, attends, il y a une ça, par contre, il y a un truc. Non, ça, par contre, la compétition, faut qu'elle commence après. Quoi? Il faut que tu m'aides à faire la crème entre les parts de gâteau. Mais non. Si, par contre, non, ça, je rigole pas. Mais non, on est en compétition, je vais pas t'aider. Il y a une ça, je sais pas faire, moi, la crème. I'm the ranks, John's ranks. We get it around. Waouh, mais en fait, le gâteau, il sera énorme. T'es pas obligé de tout utiliser. Ah, moi, j'en prends que deux, moi. T'en prends combien? 3, j'en prends 3. Non, mais j'aime pas ton égoïsme. Je m'en fiche. On n'est pas une équipe là. On est l'un contre l'autre. Non, on est une équipe. Bah alors là, non, tu vois, normalement, sur le début, on est une équipe. Après, sur les designs, on fait ce qu'on veut, non? Non, on est. Ça m'intrigue. Tu peux arrêter? Non! Oh, je veux ça. Non! Tu touches pas à ce que j'ai acheté, non? Oh non! Non? Ça se mange? T'as pas de goût. Du coup, moi pour mon gâteau, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une crème mascarpone. Donc j'ai pris de la crème et du mascarpone que je vais fouetter pour venir faire monter ça le plus épais possible. Bon, pareil. Pour mettre ça entre ma génoise. Pareil. Tout pareil. Oui, c'est comme d'hab, c'est toujours dingue. Pareil. C'est dingue. C'est dingue ça. Pour préparer notre crème montée là, notre chantilly, on va avoir besoin de mascarpone et de crème entière. Entière. Et donc du coup, ça, je vais les mettre dans mon bol. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein. Je me souviens exactement de ce que je dois mettre. Donc là, je vais verser d'abord la crème. Ensuite, je vais rajouter le mascarpone. Ouais, donc là, je vais rajouter la crème avec le mascarpone. Et bah oui, comme d'habitude, toi, de toute façon. Non, c'est pas comme d'habitude. Là, on va mettre ça. Je vais mettre... Tout le paquet? Non, 3 bonnes cuillères. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de sirop au chocolat blanc. C'était à la maison déjà, ça? Non, j'ai acheté là-bas. T'es sûr que t'as acheté là-bas? J'ai acheté là-bas. T'as acheté là-bas? Par la louche. Vas-y, je m'en fous, à la louche, on n'a qu'une vie. Je vais mettre du sucre glace. Pourquoi du sucre glace? C'est pas dans la recette. Moi, je mesure pas. Je mets mon sucre, tac, 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 tac. Et maintenant, je vais venir battre. Mais pourquoi il y en a qu'un, il fait la gueule? Je sais pas, il est où l'autre? Sucre glace. Oh, mais il y a une salle, on met partout, là. Faut que je trouve un autre moyen. T'as fait n'importe quoi. Apparemment, faut faire attention parce que ça monte vite. Mais regarde ton haut. C'est pas grave. C'est pas pro, c'est pas du tout pro. J'aime pas du tout comment tu cuisines. On prend notre bol. Voilà. Voilà. Ah, bah voilà, beaucoup mieux. Oui. Regardez comment ça va monter. Vas-y, ça me casse les... Vas-y. C'était poli, mais regarde, pourquoi ça fait ça? Pourquoi on a du matériel de merde? Mais pourquoi tu parles pas? Parle. Écoute-moi, on n'a pas du matériel de merde. Il n'y a pas de matériel de merde, il y a juste des cuisiniers de merde. Ah bah voilà. Bah s'il te plaît, inside-moi. De quoi? Pourquoi ça fait ça? Mais il faut fouetter. Faut que tu l'as fouetté. Là, il y a trop de liquide, là, il faut rajouter de la mascarpone. Je sais pas, moi je sais pas quel besoin je t'ai fait. Je rajoute de la mascarpone, c'est bon. Je vais passer ma crème au thermomix. Mais ça, c'est de la triche. Hein. Et pourquoi? C'est comme un commis. C'est de la triche, ça, c'est comme un commis. Comment ça, c'est comme un commis? Fais-toi ta place. Et voilà, un point de dépouillé. Là, il y a des points de pénalité. Hein. Là, tu triches, là. Mais non, je triche pas. T'as pas le droit d'établir les œufs? Oui, je vais les mettre. Vas-y, tu mets pas. Arrête! Regarde si c'est bien! C'est bien, mémé. Ouais, mais ça marche, là! Écoutez-moi bien, si je gagne pas cette vidéo, je m'appelle pas Dominique. Si moi, je gagne pas cette vidéo, je m'appelle pas Dominique. C'est bon ou pas? Est-ce que si moi, je gagne pas cette vidéo, je m'appelle pas Dominique? Ça... Ah, regardez comment c'est liquide! Mais j'ai pas commencé! Regardez-moi! Regardez comment c'est liquide! Mais j'ai pas commencé! Et de la soupe et regardez-moi! Popo, je vais gagner! L'humilité précède le succès!
fais exprès quoi. Moi je touche à mon matériel. Ah, j'ai pas touché, j'ai juste essuyé. J'ai décalé pour essuyer. Non. Eh bah, toi, t'as touché à des trucs. J'ai pas touché. Il est où mon mascarpone? J'ai pas touché. Il est où mon mascarpone? Ah, mais je l'ai utilisé. Attends. T'as dit quoi là? Je l'ai utilisé. Comment ça t'as utilisé mon mascarpone? J'ai utilisé la fin de ton mascarpone pour pouvoir monter mon... Mais tu n'as pas le droit de toucher à mes trucs! Bah tu l'utilisais même plus. Mais pourquoi tu triches comme ça? Mais je triche pas. Pourquoi tu touches à... Non, vas-y, tu vois, ça c'est des trucs. Tu vois, t'es un gros tricheur, vas-y, tu me saoules. En gros, je suis un tricheur. Vas-y, t'es un tricheur. Ah, donc c'est ça ton excuse maintenant? Il y en a encore plein des mascarpones. Oh, oh, on en a pris que deux! Ah vas-y, eh, vas-y, allez, c'est bon, t'as niqué ma recette, vas-y. Non, vas-y. Eh. Vas-y, ça me saoule. Allez, j'utilise ta crème. Mais si on en a pas beaucoup, arrête! Mais pourquoi t'as utilisé mon mascarpone? Je savais pas qu'on en avait que deux. T'es sûr qu'on en avait que deux? Ma recette elle est morte, vas-y c'est bon. Mais non, rajoute de la farine. Non, non, vas-y c'est bon, allez, c'est bon, tu m'as fini là. Rajoute de la farine. Vas-y, cuisine tout seul, c'est bon. Tu veux faire l'égoïste, et bah moi je cuisine plus, vas-y c'est bon. C'est quoi cette haine? Je fais comment si j'ai pas de mascarpone du coup? Mais t'es bon, t'as rien, t'as mis ton gros doigt dans mon truc là. Je fais comment si j'ai pas de mascarpone du coup? Mais y en a la mascarpone là, regarde. Tu peux sauver ça. Y en a plus. Voilà, merci. Ok, vas-y. Mais déjà, continue à faire. Ouais, c'est la recette de Dominique, c'est bon. Continue à faire. Non, j'ai pas assez de mascarpone, non, donc non. Bah ouais. On a dit au début, on a dit les règles. On a dit, on n'utilise pas les trucs de l'eau. Maintenant, pourquoi tu viens d'utiliser mon mascarpone? Parce que moi, je pensais que t'avais tout. Mais même, pourquoi tu utilises mon mascarpone? Mais c'est bon là, comme ça. Tu continues à fouetter. Non. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Vas-y, je sais même pas faire les choses bien, vas-y. J'y arrive là. Regarde. Non, j'y arrive pas, non. C'est quoi ça? C'est liquide. Mais pourquoi tu. Et moi, je fais comment pour remplir mon gâteau si j'ai pas mon mascarpone entier, ouais? C'est bon, ça me saoule les trucs comme ça. Moi, toi, t'es un égoïste, toi, t'es trop bizarre. Mais je te passerai le mien. Mais pourquoi tu prends mon truc? T'as vu comment je t'aide? T'as vu comment je t'aide là? Mais qu'est-ce que tu mets? Tu m'as mis des bâtons dans les roues. T'as vu, ça fouetter comme ça et à tourner. Dominique. T'as même pas la technique. T'as même pas la technique. Pourquoi tu prends mon truc? Je n'ai pas assez, regarde, pour remplir, regarde, mon gâteau. Mais si, t'as assez, largement assez. Ah, vas-y, ça me saoule. Tu me donnes la moitié pour ma terrain. Non, 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 non. Moi, je dois remplir mon gâteau et le recouvrir. Pourquoi tu prends mon mascarpone? Pourquoi? Parce que c'est... Parce que je pensais que t'en avais pas besoin. Et t'en avais pas besoin, regarde, il est monté. Dominique, je vais faire quoi avec ça? Je dois remplir mon gâteau et je dois le recouvrir aussi. Eh ben, je te passerai un peu du mien, y'a pas de soucis. Parce que moi, je vais pas le recouvrir. Parce que moi, je devais mettre la pâte à sucre. Vas-y, lâche-moi, là. Bah, tu sais quoi, je veux dire un truc. Non, j'avais gardé le reste exprès pour recouvrir. Rajoute encore un peu de crème. Rajoute encore un peu de crème. Ça va être trop liquide. Non, rajoute. Ah, t'as un tricheur. Il a triché, hein. J'ai pas triché. T'as triché. Non. Ah, je vais faire comment maintenant pour le recouvrir? J'ai pas. Ne remercie assez. Pas. Dominique, je n'ai pas assez là. On pour a la même quantité. Mais pourquoi tu mens comme ça? J'ai un demi-pot, t'as un pot et demi. C'est pas assez monté là. C'est pas assez monté de non. Quoi? C'est pas assez monté, tu connais rien à la cuisine. Déjà, la mienne est meilleure que la tienne. Ouais, dans tes rêves, allez, voilà. Tu me rajoutes ce que tu m'as pris dans mon truc. Tu utilises ça et après je te prends. Alors non, non. Si. Dominique, là t'as triché. J'ai vu que tu me rajoutes ce que non, t'as mis dans non, mon c'est truc. Non, c'est mort. Dominique, c'est mort. Dominique, t'as c'est triché. C'est mort, j'ai pas triché. Utiliser, c'est tu n'as pas le droit, je dois recouvrir mon gâteau, Dominique, je n'ai pas assez. Et bah, tu je te passerai, utilise ça. Tu me rends ma part. Non, non. Moi je veux non, que ça soit à l'intérieur, je veux que ce soit à l'extérieur. La mienne, je veux que ce soit à l'extérieur. Non. Je veux que tu me rendes ma part. J'ai pas envie. T'as volé, tu me rends. J'ai pas volé. T'as triché, Dominique. J'ai pas triché. Bon, allez, moi j'arrête de cuisiner. Mais tu rajoutes un peu de crème. J'arrête de cuisiner, tant pis. Mais c'est pas grave, moi je continue. T'as pris mon mascarpone, t'as triché. Je te donne deux cuillères là, vie de ma mère. C'est pas deux cuillères que t'as pris. C'est pas deux cuillères de. C'est deux cuillères de mascarpone. C'est fouetté, donc il y en a plus que ça. Voilà. C'est pas assez. Hein. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est pas assez. J'aurais plus rien, Yanissa, arrête là, c'est bon là, merde. Tu me saoules là, déjà je t'ai donné. Ah, ça donc là, venir, tu vois que ça fait un demi-pot. De toute façon, vous avez vu, hein, c'est moi qui ai monté sa crème en mascarpone de je sais pas quoi. De toute façon, t'inquiète pas, toi j'ai vu ton caractère. Et là, t'es dans mon. Écarte-toi. Va là-bas. C'est bon, je veux plus rien entendre parler de toi. Attends, plus pour toi, je m'en fous. Là, tu sais quoi là? T'as déclaré la guerre de la compétition. Ouais, bah du coup, ouais. Quoi? Mais pourquoi tricher encore? Je voulais juste voir. Alors, tu vas pas tricher deux fois. On a dit les règles au début de la vidéo. Vous voyez? Vous voyez pourquoi je m'énerve? Parce qu'en fait, c'est déjà une triche. Tu utilises tes trucs, j'utilise mes trucs. Merci. En tout cas, j'ai vu que tu t'es vraiment énervé là. Tu es un tricheur et ça, c'est depuis qu'on a commencé les vidéos de non, cuisine. Me parle pas. Là, je te parle pas, je j'ai m'en vu fiche. Ton vrai visage. Je m'en fiche. Là, regarde, mon gâteau, il va éteindre le tien. Regarde, là, tu regardes comment je vais. Non. Non, mais c'est je veux surtout pas que tu me regardes. Donc voilà, je suis en train de monter mon premier étage. Je vais recouvrir et mettre ça quelques minutes au congélateur. Pourquoi? Donc moi, le but, c'est que chaque étage a une crème. Ok, on est bon, regardez comment c'est beau. Moi, chaque étage aura une crème. Comme ça, le truc sera joli, joli, oh. Jolie des nanas, oh. Jolie des nanas, oh. Je vais te battre à plate couture, oh. Yanissa, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps quand tu verras que je t'ai massacré, oh. Regarde, la technique. Comme les petites filles aiment le rose, ma crème, elle va être rose. Oh, putain!
Ah non, ça c'est pas bien ça. De quoi? Ça c'est pas bien. Bah non, mais non. Bah non, bah t'es fier de toi, j'espère. T'as fait ta petite crise et ça y est, t'as gagné. Bah tu sais quoi, de toute façon, c'est. Ma petite crise de quoi? J'ai pas compris là. De quoi ma petite crise? T'as fait ta crise. En tout cas, très beau gâteau. Très très beau gâteau, Mémé. Mais je sais pas pourquoi tu m'appelles Mémé, toi. C'est à moi ça, Dominique! Bah franchement, bah, je te le dis, bah, c'est bien, bien joué. Merci. Les petites filles, qu'est-ce qu'elles aiment en soi? Elles aiment le rose. C'est des stéréotypes, mais en tout cas, ma fille, moi, elle aime le rose. Et elle aime quoi? Elle aime les cœurs. Alors pourquoi ne pas faire un gâteau cœur pour une petite fille? C'est une bonne idée, je trouve. Une idée à laquelle certains nullards n'ont pas pensé. Mais c'est ça qu'on a un nullard. Et qu'on se croit plus fort que la bosse. Qu'on veut détrôner le duc. Mais tu peux pas détrôner le duc. Parce que t'es un trou duc. On est un trou duc. Pas détrôner le duc. On va essayer de faire ça propre, un peu plus propre là. Ah, c'est pas centré. Ah, ça se décale, regarde. Bim. C'est bien, tant mieux. Oh, le cœur. T'inquiète pas. Ça se façonne en gâteau. Oh, les gâteaux, il est incroyable. À vous, le gâteau, il est beau. Oui, là, pour l'instant, il est bon. J'ai un gâteau de mariage, je dirais pas un gâteau d'anniversaire. Attends, c'est pas fini. Ouais, j'attends. Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais recouvrir de pâte à sucre tout le gâteau et je vais le designer. Parce que si je recouvre avec du rose, je pourrais pas faire mes petits dessins dessus. Hop. Ou sinon, je couvre que le bas. Ouais, je vais faire ça. Moi, pendant ce temps, j'étale ma crème. Je sais pas, par contre, comment ça se travaille une pâte à sucre. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on a un rouleau à pâtisserie? Mais c'est quoi ce premier étage de fou? C'est normal que tu auras plus rien, Yanissa. Tu peux me laisser faire ce que je veux? Bah, et te plains même plus. Ouais, c'est bon. T'as tout fini ta mascarpone pour ça. Ok. Ouais, j'ai utilisé ça, hein, le film. Hein. Y'a pas de chou, hein. Vas-y. À la guerre, comme à la guerre, baby. C'est trop dur. Mais comment vous faites les pâtissiers tous les jours comme ça? Comment vous faites? C'est dur, hein. Quoi? J'ai deux doigts de prendre une poêle là, écrasée là. Putain. Avec une poêle, Dominique? Non, vas-y, je fais une connerie si je fais ça. J'ai jamais vu ça. Faut rouler dessus pour que ça s'écrase, c'est pas possible. Bah non. Regarde comment c'est dur. Mais je peux pas, faut être deux. Là, je vais venir couvrir le gâteau. Alors, je vais le couvrir de pâte rose. On va essayer de faire quelque chose de propre. C'est pas possible, ma pâte, elle se déchire. Quand j'essaie de la prendre, ma pâte, elle se déchire. Elle a dit que c'était dur à travailler la pâte à sucre. Ouais, mais je pensais pas que c'était aussi dur. Vas-y, je vais tout recommencer. Pourquoi j'ai pris de la pâte à sucre? C'est du béton, c'est un parpaing là. Je jette sur quelqu'un, il s'évanouit direct là. Direct, qui t'a envoyé? Vas-y, j'ai mal aux mains. Ah, je prends une pause, une demi-heure. J'ai pas de rouleau à pâtisserie, j'ai rien. Vas-y, je me mets dans le frigo, ça va être long. L'arrogance. Vas-y, va là-bas. Laisse-moi tranquille. T'as vu, il est beau, hein? Dominique, arrête de tricher. Vas-y, va là-bas, là. Fais ton truc, là. Oh. T'auras pas du tout assez de crème, là. C'est toujours assez. Ouais, ça me souligne, ça. Regarde, sérieusement. Dominique, je sais pas. Regarde, si je fais comme ça et que je travaille petite pièce par petite pièce. Bah essaye, je sais pas. Hein. Bah oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait, il faut travailler petite pièce par petite pièce. Moi, je continue de couvrir là. Tu peux te pousser, s'il te plaît? Qui était démoralisé et là, j'ai repris le poil de la bête. T'as fait quoi? J'ai rien fait. S'il te plaît, fais rien, s'il te plaît. Je suis une bâtarde, j'ai pas triché. Oh, Constance, c'est trop moche. La vidame, ton gâteau, il est trop moche. Non, il est pas trop moche. C'est une dinguerie comment il est moche. Oh, le cœur, mon frère. Oh, il est trop moche. T'es dit, il y a pas assez de. Bah, c'est normal qu'il y a pas assez. Ouais, tais-toi. C'est normal qu'il n'y a pas assez, regarde-toi comment tes trucs elles sont épaisses. Pourquoi? Parce que t'as pris tout le mascarpone. Vas-y, c'est bon. Allez, Dominique, allez. Non, pourquoi ça se déchire? Mais pourquoi ça se déchire? Je vais serrer. Regardez, mon cœur pour le tien, ma fille. Je vais le mettre au frais. Mais vu comment tu peux travailler sans rouleau à pâtisserie comme ça. Vas-y. Je vais t'aider. Oh. Non, mais faut, en fait, c'est trop chaud, en fait. Non, tu vois, tu mets tes ongles pourris. En fait, ta pâte, elle est trop chaude, là, je pense. Oui, je crois aussi. Sur quelle matière je peux travailler? Tiens. Du papier film? Ça, c'est pire, hein. C'est pas du film. Déjà, comment tu vas rester en cuisine si tu sais pas reconnaître du papier sulfurisé du papier film? Ok, là, il y a ma boule. Ça fait 25 fois que je pétris, ça me... Attends! Les pâtissiers en PLS, mais des fois, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Voilà. Comme ça, t'es sûr que ça va pas coller. Vas-y. Si ça marche, alors là, bon, on s'est aidé une fois chacun. Tu m'as pas aidé? Si, je t'ai aidé. Tu m'as pas aidé? J'ai fait mon plat. T'as niqué mon plat et ensuite t'as rattrapé ta connerie. Non, par contre, Elena, dis pas de la merde. C'est pas ça qui s'est passé. T'as abandonné. J'ai pas abandonné. Je les ai montés. J'ai pas abandonné. T'as volé mon mascarpone. T'as volé mon mascarpone. T'avais une crème anglaise au lieu de faire une crème pâtissière. T'as volé mon mascarpone et tu t'es rattrapé ensuite. Si ça se décolle d'un coup, alors là. Ça mérite un bisou. Non, on compète. Allez, vas-y! Donc là, attends, là, faudrait un petit truc fin. Tiens, un petit couteau comme ça. Tu fais quoi? Bah, je te coupe.
Mais c'est ça qu'il fallait faire. T'es une saboteuse. Je t'aide, j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire. Coupe pas trop haut. Oh là là, bébé, mais fais attention. T'as cassé. Fais attention, regarde. Ok, donc premier étage fait. Maintenant, comment je fais pour faire le violet? Il faut que tu fasses une bande, une longue bande. Et après, la bande, tu la tournes et que tu laisses assez de rabat pour pouvoir rabattre à cet endroit. Tu fais quoi? Je vais pas me donner ta pâte à sucre, je vais me débrouiller, t'inquiète. Hop! Non les gars, c'est trop dur la pâte à sel. Regardez ce que j'ai réussi à faire. Franchement, c'est pas parfait, je sais très bien. Franchement, je suis désolé à tous les pâtissiers qui vont regarder la vidéo. Mais la vidéo, on se débrouille comme on peut. Sur ma vie, on... Ouh! What? Allez, tais-toi, vas-y, demain ça. Attends, demain, parce que j'ai... T'as pris mon mascarpone. Ok, bah 2-1, 2-1. Là, vous allez voir, c'est là que les choses commencent vraiment. Là, c'est là que les choses commencent vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du rose dedans. Oh! Ouh! C'est trop beau! Ah, c'est des trucs comme ça colorés, d'accord, ok. Pourquoi y'a un qui sort? Ok. Oh, regardez. Oh, 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 grâce. Oh, bah kiffé. Ah, je fais de la merde là. Attends, c'est bon, ça fait bien, ça fait bien, ça fait bien. Ok, moi je vais faire un truc, j'improvise. C'est pas possible qu'elle puisse pas kiffer ça. Bah, on dirait du sang. Arrête de mentir. Je crois qu'il y a un côté où t'en as trop mis, on dirait du sang. Chut. On dirait un cerveau. Oh, regarde, on dirait que le gâteau il brille. Du bleu, pourquoi pas du bleu. Oh non, je sais ce que je vais faire. J'utilise pas. 3-1. Non, j'utilise pas. 3-1. T'inquiète pas, comme ça, tu vas pas dire je sais pas quoi là. Ok. Mais tu sais que tout ça, c'est parce que t'as utilisé mon mascarpone. Oh là là, s'il te plaît. Ok, on se poudre de bleu, j'aime bien. Pour faire de la neige, comme si c'était de la neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Quel gâteau, moi je le trouve beau là. Le gâteau il est beau. T'es désespéré, ma grande. Désespéré. Bah, j'ai acheté ça pourquoi? J'ai acheté ça pour utiliser. Non, mais t'es désespéré. En quoi je suis désespéré? Qui en ont ni queue ni tête. Mais en quoi je suis désespéré? Désespéré, faut le dire ce qui est. Mais tais-toi, je suis pas désespéré. Mais j'ai gagné. T'as pas gagné. Sur ma vie, j'ai gagné. Ton gâteau, on dirait, il est même pas fini. Mais c'est normal, j'avais pas de mascarpone. Oui. Toi, t'as utilisé ton mascarpone alors que t'avais de la pâte à sucre, je te l'ai dit en plus. Est-ce que tu peux arrêter de crier thank you very much? Insupportable. Parce qu'insupportable, c'est que t'as utilisé mon mascarpone et du coup, j'en avais pas assez pour mon gâteau. Yannissa. J'avais prévu assez de mascarpone pour couvrir tout mon truc en fait. My lady, please. Finish for you. Thank you. Regarde toute la dose de mascarpone que t'avais, alors que toi, t'avais la pâte à sucre. Moi, j'ai besoin de plus de mascarpone que toi, t'en as utilisé plus que moi. Bla bla bla. Parce que ma fille, c'est une star. Star de cinéma. You're riding me a brand star. Je mets plein d'étoiles parce que ma fille, c'est une star. Oh my god, god, mon gâteau, il est trop beau. Donc là, les gars, j'ai tenté un truc, je suis pas sûr. J'ai mélangé du bleu et du rose pour faire du violet. Ok, je suis pas sûr. Hein. On tente, hein. On tente, on prend des risques ici. Hein. On n'est pas dans une zone de confort. Hein. Ah non, t'as fait n'importe quoi, Yannissa. Allez, ton gâteau, il est horrible. C'était rose, t'aurais pu au moins te sauver sur ça. Tu sais pas ce que je vais faire, laisse-moi tranquille. T'aurais pu au moins te sauver sur ça. Je t'ai rien demandé, laisse-moi tranquille. Et j'ai pas fait de commentaire sur ton gâteau, tu laisses mon gâteau. C'est quoi, c'est Halloween? C'est un anniversaire? On sait plus où donner de la tête. Oh là là, la fierté. Mais regardez mon gâteau, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer, non, c'est trop. Bah, c'est normal qu'on triche. Vas-y, Arrête de revenir sur ça. Vas-y, ça me saoule. C'est trop tard, c'est fini. You lose. Est-ce que j'ai des trucs à rajouter là? Ah ben oui, j'ai des trucs à rajouter. Papa il a acheté des roses, des décors comestibles. Papa il a acheté des roses comestibles. Dommage, j'ai tendu la tête à Yannissa. Papa il a acheté des roses comestibles qu'il va positionner un peu partout autour du gâteau comme ceci. Voilà, comme ça. Une ici, une là. Voilà. J'ai gagné enfin. Oh non! C'est pas toi qui mais décide. Mais quelle fierté! Ce n'est pas toi qui décide. Mais quelle fierté! Vous savez, j'ai gagné. Vous le savez. Moi, je dis pour moi, la pâte à sucre, c'est un cache-misère. C'est un cache-misère et c'est pour ça que tu l'as pris. Attends, s'il te plaît. Va là-bas avec ton gâteau, on dirait du carton. On dirait en dessous, c'est un carton. Vas-y, tu regardes, tu vas mettre des trucs marron. Ah, va pas kiffer. Moi, je te dis tout de suite. Mais faut avec ta main, il y a quoi? Je t'ai rien demandé là. Mais si elle choisit pas moi, elle a aucun goût. Je vous dis tout de suite. J'hésite à rajouter encore de ça. Vous avez des petits cœurs, des petites fleurs un peu partout. J'hésite.
Bon les gars, pour moi j'ai fini mon gâteau. Il est trop beau, je le trouve incroyable. Moi mon gâteau je le trouve beau. Hein. On dirait les faux gâteaux dans les pranks là. La vie de mère quand tu veux pranker tes enfants, tu mets du carton et tu mets tu une nappage de je sais pas quoi. Moi je suis en train d'écrire. Hop. Pourquoi se casser la tête? Tu as perdu. Tu sais quoi, je vais appeler ta mère. J'ai envie d'appeler ta mère. J'ai envie d'appeler tout le monde. Bon, c'est bon les gars, nos gâteaux ils sont au frigo. Maintenant, on va tout cleaner et on va attendre l'arrivée de la princesse pour que ce soit elle qui décide lequel est le meilleur gâteau. C'est elle qui va décider. C'est pas les gens que t'appelles. Non. Parce que je sais que les petits, c'est très facile à amadouer. Non, moi je vais rien dire. On parle pas, on dit pas ce qu'il a fait. Voilà. Parce que sinon c'est trop. Voilà. Pas de mimique, pas de truc, pas de. Rien. Parce que je te connais par cœur. Rien. Mais avant ça, si ma fille choisit le gâteau de Yanissa, c'est parce que c'est uniquement parce que c'est un cœur. Oui, c'est tout. Bah bien non, sûr. Je mets ça. Et ben il fallait faire un cœur alors. De tous les cas, il n'y a rien de fait encore. Non. Et moi j'ai envie d'avoir votre avis parce que votre avis pour moi il compte. Donc dites dans les commentaires c'est qui a gagné et dites franchement c'est qui a gagné. Les gâteaux ils sont là, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont sagacité en Côte d'Ivoire, sagacité à New York. Non mais j'admets que ton gâteau il est beau et il est réussi. Mieux que le tien? Non, les deux se valent. C'est important, non mais c'est important, ton avis il va vraiment compter là. Nadia, écoute-moi, maman de Yanissa. Là je vais tourner la caméra, je vais te montrer le premier gâteau et après je te montre le deuxième. Tu peux voir, voilà ici écrit princesse, voilà les petits cœurs, voilà. J'aime pas comment elle a raclé sa gorge. Voilà. Voilà. Donc, ensuite t'as celui-là. Moi je penserais plus pour le gâteau cœur. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Donc c'est le gâteau cœur. Bah, moi, si la première chose qu'on regarde, c'est le visuel. Bon, bah, c'était celui d'Anissa. Maman! Maman, on est connectés! Bon, les gars, moi, j'ai appelé ma soeur parce que ce qui s'est passé, c'est pas du tout normal avec la mère Yanissa. Charlène? Petit dégradé de couleur, on aime bien, ouais. Je choisirais. Je pense que je choisirais à droite. Ah, celui-là? Let's go! Ouais, j'ai appelé le frère de Yanissa, Malcolm. Voilà, putain, on fait voir le premier. Donc toi, tu choisis lequel entre les deux? Donc toi, ton préféré, c'est lequel? Moi, mon préféré, c'est le deuxième. Celui-là? Ouais. Let's go! Bon les gars, maintenant on va arrêter d'appeler les gens parce que Yanissa là sinon on va c'est trop pleurer. C'est pas la règle, c'est pas la règle. On va trop pleurer Yanissa, non, on va trop pleurer. On va arrêter d'appeler les gens, maintenant on attend notre petite daughter. Prends ton gâteau là. Non, allez vas-y, on va ranger les gâteaux parce que là c'est bon, stop. Bon, on est de retour et Miss Citron est avec... On a une surprise pour toi, on a deux surprises pour toi, deux surprises énormes. Est-ce que tu te rends compte, deux surprises énormes? Tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui? Lundi c'est quoi? Mon anniversaire. Voilà, donc tu sais ce que papa et maman ils ont fait aujourd'hui? Non. On t'a fait deux énormes gâteaux. Papa il a fait un gâteau et maman elle a fait un gâteau. Un gâteau à quoi? On va te montrer les gâteaux. On va pas te dire c'est qui les a fait. Et toi tu vas devoir choisir c'est lequel ton préféré. Ok? Ok. C'est eux deux. Oh mon amour, déjà dès le début elle est trop gentille. 1, 2, 3. Tu peux les tourner, tu peux même mettre ton doigt pour goûter. Tu peux goûter un peu, tu peux tout faire. Allez. Regarde, et t'as vu celui-là, c'est quoi? Un cœur. Si tu dois choisir un, tu choisis lequel? Lui. Lui, il a ça et lui, il a pas ça. C'est pas grave. Dans tous les cas, les deux gâteaux, ils sont pour toi. Mais tu choisis le papa, y'a pas de problème. Tu sais, regarde maman, comment elle est heureuse. Regarde. Très heureux. Dis-moi, il y a quoi que t'aimes dans mon gâteau, par exemple? Il y a quoi en qui t'aime? En fait, regarde qu'il y a un petit peu bleu, un petit peu de violet. Ah. Peu... Goûte le gâteau de maman. Non, goûte ça, goûte. Je vous ramène celui-là, mon anniversaire. Mais t'as le bon d'en goûter. Yanissa, je suis désolé, mais il est magnifique. Regardez les gars, et regardez comme il est trop beau. Regardez qu'on voit tous les étages. En fait, chaque étage, une crème. Je vous pose ça ici et vous me dites ce que vous en pensez, madame. Alors? Oui. Yanissa, félicitations, bravo à toi. Eh, franchement, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est notre fille qui a tranché. Là, on peut pas dire le contraire. Merci
d'avoir participé, ma petite chérie. Merci, ma petite chérie, d'avoir participé. Merci, mon petit chéri, d'avoir triché. Allez, c'est bon. Les gars, je m'en fiche. Dans tous les cas, j'ai gagné la vidéo. Mon gâteau, il était plus beau. Ma fille, elle a validé. Tout le monde a validé. Et c'est normal. Même vous, je suis sûr, vous avez validé. Arrêtez de dire, ouais, ça me fait mal au cœur pour gagner ça. Non, parce que quand c'est elle qui gagne là, elle me détruit seulement. Donc c'est moi qui ai gagné. Donc, fin de la vidéo. Dites en commentaire celui qui a gagné. Je sais que c'est moi qui a gagné. Et merci. Je run. They run for me. En plus, je t'ai dit, Yensa, tu mets pas assez de trucs dans les étages. C'est normal, je vais le passer. Non, tu mens. Tu mens. Allez, les gars. Gros bisous. On vous aime. Non. Son gâteau, je l'ai goûté. C'était sec. Maman, le gâteau, il était sec.